Bonjour monsieur. Police, simple contrôle de routine. Je sais plus quoi lui dire là. Mais vous voulez contrôler quoi? Je m'excuse. Est-ce que je peux avoir un entretien avec... Comment? Il serait souhaitable que j'ai un entretien urgent avec mademoiselle votre femme, en particulier, s'il vous plaît. Elle n'est pas ici. Pourquoi? Comment? Mais où est-elle? Elle est partie chez son amie, mademoiselle Moutier, 13 rue Simon Dereur. Je dois aller lui porter toutes ses affaires demain matin. Ma femme et moi sommes séparés depuis un bon quart d'heure. Excusez-nous, vraiment... Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Les choses se sont passées entre gens dont le quotient est au-dessus de la moyenne. Nous nous étions mariés ce matin et je rends hommage à l'esprit de synthèse de ma femme qui a su voir, au terme de cette première journée, que les composantes de nos caractères produisaient une résultante finalement conflictuelle. Oui, je comprends très très bien. Et d'autre part, pourrions-nous avoir la clé du cinquième étage assez rapidement, je vous prie? Non, mais c'est pour quoi faire? Je l'ai pas, moi, la clé. Non, ça, c'est pas nous, ça. C'est la Socotec. Non, ça, c'est à eux qu'il faut demander ça. Hein. Ah, bien, eh bien, tout est parfait. Par ailleurs, puis-je disposer du téléphone pour appeler les pompiers, tant que j'y pense? Non, il est en dérangement, le téléphone. Mais pourquoi vous voulez appeler les pompiers? Posez beaucoup de questions, monsieur Blitrovitch. C'est pas moi, Blitrovitch. C'est la personne qui travaille ici dans la journée. Voulez-vous me faire revoir votre carte, s'il vous plaît? Il a relevé mon nom, maintenant je vais avoir des emmerdements. T'es con aussi, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire le malin au dernier moment, là, genre flic de cinéma? Posez beaucoup de questions, monsieur Blitrovitch. Alors? Comment veux-tu qu'il entende de là-haut?